regardez la vidéo Information Capitale. Merci à gauche, deux fois moteur. Merci à toi. Comment tu vas? Partagez la vidéo parce que je viens de recevoir une information là que je dois vous partager. Je n'ai pas l'habitude de faire des directs à cette heure-là, mais c'est important. Donc, partagez au maximum la vidéo, pardon, le direct, pour que certaines personnes puissent voir avec nous. C'est important. Voilà. Salut à toi, Québec champion. Comment vas-tu? Nous sommes dans la dernière ligne droite. Donc là, toutes les informations sont capitales, quelle que soit l'heure à laquelle on vous envoie, c'est pourquoi nous nous connectons. Voilà, bonsoir à toi, Doumbia Amara Maine Maine. Salut à toi, mon cher frère. Comment vas-tu? Voilà. Information capitale, moment spécial. Partagez la vidéo, parce que c'est important, c'est relatif au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Partagez la vidéo les gars, parce que l'information est de taille. Information capitale, moment capital. Partagez la vidéo, partagez au maximum. Partagez au maximum, on va donner quelques informations, c'est important. Relatif à notre premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le futur candidat du RHDP aux élections prochaines. Voilà, bonsoir à toi Requin Blanc. Ami Kone, bonsoir à toi, Junior Bravo. Bonsoir à toi. Voyanga Meite, bonsoir à toi mon cher frère. Partagez la vidéo. Ouais, Junior Bravo, salut à toi. C'est la dernière ligne droite pour Amadou Gon d'aller s'asseoir dans le fauteuil présidentiel. Donc toutes les informations qui vont venir pour déconstruire le premier ministre Amadou Gon, nous on est là pour rétablir les faits dans leur contexte. Partagez la vidéo, c'est une vidéo d'anthologie, une frappe millimétrée, pour ne pas dire qu'une frappe chirurgicale. Salut à toi, Alassio Konaté, comment vas-tu mon frère? Partagez les gars, partagez la vidéo, c'est une information de taille, partagez la vidéo. Ah. Parce que les ennemis sont tapis dans l'ombre. Hein. Les ennemis sont tapis dans l'ombre. Hein. Ils veulent tout faire pour installer la chienlit en Côte d'Ivoire. Alors que nous on est là pour déconstruire tout ça.
C'est notre travail sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi les responsables nous ont fait confiance pour nous doter en matériel. Donc, tant qu'il y a une information, j'étais couché, mais l'information est tellement de taille qu'il est important pour moi de descendre, venir dans ma voiture et puis vous dire réellement ce qui se passe. C'est important. Parce que là, aucune minute, aucune seconde va monter encore sur la désinformation. On est là pour déconstruire toute la désinformation à leur niveau. Parce qu'ils sont dans une logique. Hein. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est une information de taille. Je n'ai pas l'habitude de faire ces vidéos-là à ces heures-là. J'étais déjà couché lorsque j'ai reçu l'information. Et c'est mon boulot. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Information relative au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Bonsoir à toi, Aminata Sako. Bonsoir à toi, ma chère soeur Aminata Sako, depuis ta position, Meuleux. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Le son il est un peu fort, le temps que les gens partagent pour que je donne l'information, c'est important. Partagez la vidéo, les gars. J'étais déjà couché lorsque j'ai reçu l'information. C'est relatif au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, notre grand Premier ministre, futur candidat aux élections présidentielles de d'octobre. J'étais déjà couché lorsque j'ai reçu l'information. Donc, nous sommes à la dernière ligne droite pour les élections présidentielles. Donc, à cet effet, on ne doit laisser aucune fuite, aucune désinformation fuiter. On ne doit laisser aucune désinformation prendre de la place dans notre communication. Voilà, c'est notre leitmotiv maintenant pour cette dernière ligne droite. Ce sont les consignes qu'on a reçues de la part de nos responsables.
Donc, dès qu'il y a une situation, automatiquement, on doit sortir comme un seul homme pour décrier, pour dénoncer, en fait. Voilà. Voilà pourquoi je vais vous demander de partager la vidéo avant que je ne passe à l'information capitale. Voilà. Je rappelle que ce compte-là, ce n'est pas tout le monde qui connaît, parce que mon autre compte a été signalé par ces mêmes personnes, parce qu'ils savent dans quoi ils sont. Au niveau de Paris, ici, ils savent dans quoi ils sont. Donc, ils se sont associés, ils ont signalé mon compte à Facebook, on m'a bloqué mon compte à Facebook. Et ça, c'est le nouveau compte. Partagez, pour que tout le monde ait l'information, c'est important. Voilà. Bonsoir Bibiche Fofana, bébé Koulibaly, bonsoir. Rouge Bordeaux Koulibaly, bonsoir. Ibe Sewala, comment tu vas mon frère? Partagez la vidéo parce que partager ce direct là, c'est une information capitale que je viens de recevoir concernant notre premier ministre Amadou Gon Koulibaly par rapport aux détracteurs. Donc c'est important pour nous de faire la lumière sur la question. Voilà, comme vous le savez, moi je suis le... Voilà, comme vous le savez, je suis rentré dans mes ramifications auprès du bureau du Premier ministre. J'ai reçu la vraie information. Donc pour moi, c'est important que vous partagez la vidéo afin que je puisse vous dire de quoi il s'agit réellement. Voilà, parce qu'ils sont dans leur... Ils sont dans une situation de faiblesse aujourd'hui au point où ils sont prêts à mentir sur les petites situations. Et nous sommes à la dernière ligne droite par rapport aux élections présidentielles. Alors, on ne doit laisser aucune désinformation s'installer. Voilà. Mettez le cœur. Ces mêmes personnes sont venues, ils ont commencé à mettre les têtes de mort. Donc, mettez le cœur. Ils veulent me bloquer encore ça. L'unique boeur. Voilà. Mettez le cœur parce qu'ils veulent me bloquer ça encore. Mettez le cœur. Vous avez vu, ils ont commencé à mettre les têtes de mort là. Mais de Mankoro, partagez cette vidéo là parce que c'est une information capitale qu'ils viennent de recevoir. Merci. Oui, Adjoumassi, bonsoir à toi, mon cher frère. Partagez cette vidéo, j'étais déjà couché lorsque j'ai reçu l'information. Voilà, partagez au maximum cette vidéo. Voilà, partagez au maximum ce live-là. Voilà, on va donner l'information, on va dire de quoi il s'agit réellement. Parce que n'oubliez pas, ils sont là, ils sont tapis dans l'ombre. Parce que là, ils savent que nous sommes à la dernière ligne droite maintenant pour aller à la présidence. Donc, tout ce qui concerne la désinformation, là, ils sont spécialistes en ça. Et c'est cette même désinformation qu'ils ont organisée dans la zone Force Nouvelle pour tuer Ibrahim Koulibaly. Et moi, Dieu merci, j'étais là, j'ai vu ce qu'ils ont fait à Ibrahim Koulibaly. Et c'est la même chose, c'est la même stratégie qu'ils voulaient faire pour tuer le président Alassane Ouattara. Dieu merci que Dieu a protégé Alassane Ouattara. C'est la même philosophie qu'ils ont employée pour tuer Ibrahim Koulibaly. Là. C'est la même philosophie qu'ils voulaient employer pour faire l'insurrection du 27 décembre 2000, le 27 décembre 1900, pardon, excusez-moi un peu. Le 27 décembre 2019, qui devait prendre fin le 1er janvier 2020, et qui devait se solder par la mort du président Alassane Ouattara, du premier ministre Amadou Gon, comment on appelle, d'Ahmed Bakayoko, de Mamadou Touré, de tous les dignitaires du RHDP. Voilà. Donc là, nous sommes à la dernière ligne droite au niveau de la Côte d'Ivoire. Le RHDP est le parti le mieux implanté en Côte d'Ivoire. Sur 31 régions, le RHDP a 26 régions. Donc ils savent que électoralement, ils ne peuvent pas battre cette machine qu'on appelle le RHDP. Donc du coup, ils sont passés à la vitesse supérieure. La désinformation totale. Alors, nous, on a reçu les consignes de la part de notre leader, de notre éclaireur au niveau de la diaspora, Diaby Lassina, qui nous a donné des consignes strictes à ce niveau. À chaque fois qu'il y a la désinformation, on doit sortir pour démentir, c'est important. C'est comme ça que nous travaillons depuis un certain moment. Et pour que l'information arrive loin, c'est à vous qui nous suivez là, c'est à vous de partager l'information pour que ça arrive là où ça doit arriver, c'est important.
J'étais déjà couché, hein. J'étais déjà couché lorsque j'ai reçu un appel qui me dit non, docteur, il faut que tu sortes pour démentir l'information. Voilà. Partagez la vidéo, continuez de partager, s'il vous plaît. Continuez de partager, c'est fait tard, je sais. C'est fait tard, c'est important. Mais continuez de partager, continuez de partager. Parce que n'oubliez pas, hein, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Et les élections, là, c'est en octobre. Donc, actuellement, c'est la dernière ligne droite. C'est leur dernière ligne droite. C'est-à-dire qu'ils ont pris tout le temps de mentir. Mais cette ligne droite-là, il faut qu'on fasse attention. C'est la communication. Ne les voyez pas sur les réseaux sociaux en train de communiquer comme ça. Non, non, non. C'est la communication. La communication, c'est maintenant qu'elle joue son rôle. Ce qu'on a fait là, ça c'était fini, c'est du passé. Maintenant, c'est la dernière ligne droite, c'est la vraie communication qui va commencer maintenant. Interagir par rapport à toute la désinformation sur la toile. Parce que quand ils désinforment les gens et que nous, on ne vient pas pour rétablir les faits dans leur contexte, mais pour dire la vérité, c'est qu'eux, ils ont dit là, c'est ce qui va rester dans la tête des gens. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi on demande à tout le monde, là où nous sommes arrivés maintenant, on a quelques encablures, pour ne pas dire à quelques mois des élections présidentielles. Donc, personne ne doit dormir sur ses lauriers. Dès qu'il y a une information, une désinformation de leur part, on doit sortir automatiquement, venir apporter la contradiction. Et c'est la mission que Djabi Lassina nous a donnée ici, dans la diaspora. Voilà. C'est la mission que Djabi Lassina nous a signée ici, dans la diaspora. Voilà pourquoi, je sais qu'il s'est fait tard, mais vraiment, vous devez vous réveiller comme un seul homme. Partagez cette vidéo pour qu'on puisse donner l'information, hein, qui est là, en ce moment, à l'heure actuelle. Partagez la vidéo, continuez de la partager, c'est important. J'ai jamais fait de sortie à cette heure-là. Mais quand vous voyez Docteur Vassanoussi sortir à cette heure-là, c'est que c'est sérieux. Voilà. Moi, j'ai déjà couché. Hein. C'est relatif à notre premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Voici les personnes qui ont tout échoué dans leur vie. Ils ont tout échoué. Ils ont pensé qu'ils allaient passer par la petite voie et puis devenir président en Côte d'Ivoire. Mais ils ont croisé un fait en face d'eux. Ils ont croisé un fait en face d'eux qui aujourd'hui les empêche en quelque sorte d'accomplir leurs rêves. Donc du coup, il y a un souci. Du coup, ils ont un souci. Le souci là, c'est de briser ce mur-là. Et tant que nous sommes là, ils ne pourront pas briser ce mur-là. Ce n'est pas possible. Mehdi Alassane, le message viendra. Continuez de partager. À ce que je sache, j'ai jamais fait ce genre de live là. Voilà, j'ai jamais fait ce genre de live. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Parce que c'est nous qui sommes ici, hein, tout se joue dans la diaspora. Tout se joue à partir de Paris. Parce que Paris, c'est la vitrine de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas dire Paris, c'est la vitrine d'Abidjan. Donc toutes les informations qui parlent de Paris gagnent du terrain à Abidjan. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, à nous qui sommes là, qui sommes militants du RHDP, c'est à nous de déconstruire la désinformation dès le départ pour que ça n'ait pas d'impact sur Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, c'est notre rôle. Nous, c'est notre rôle. Voilà. Nous, c'est notre rôle. Parce que tout part de Paris. Paris est la vitrine d'Abidjan. Et qui dit la Côte d'Ivoire, dit Abidjan. Voilà. Donc, pour ceux qui ont assez de passe, partagez cette vidéo parce que ce sont des révélations de taille que je vais vous faire ce soir. C'est important. S'il vous plaît, partagez la vidéo. C'est très important, s'il vous plaît. Je sais de quoi je parle. Continuez de partager, je sais de quoi je parle. Partagez la vidéo, les gars. C'est très important. Partagez la vidéo. Continuez de partager, les gars. Tout part de Paris ici. Tout part d'ici.
C'est pourquoi nous, là, on leur a tenu tête jusque-là. On leur a tenu tête jusque-là. Voilà. On va passer maintenant à l'information. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé au maximum cette vidéo. Pardon, ce direct. Dans 5 minutes, on passe à l'information. Ouais, bois Prado, je sais. Bonsoir à toi, mon cher frère. Voilà, c'est l'heure maintenant, on va passer à l'information. Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à Fatiga Sekou, bonsoir à Bakayoko Savary Chine, merci beaucoup, merci. Hein? Effectivement, je suis très en sécurité. Voilà, par la grâce de Dieu, je suis en sécurité. Bonsoir à Doumbia, Maïne Maïle, mon cher frère, bonsoir à toi. Bonsoir Phoenix, Rock Phoenix. Bonsoir à toi ma chère soeur. Comment tu vas? Tu vas bien? Ok, on va passer à l'information. Voyez-vous, depuis un certain moment, nous avons bataillé sur les réseaux sociaux. Nous avons bataillé sur les réseaux sociaux pour expliquer réellement à tous ces détracteurs que l'image que ces personnes voulaient donner au président Alassane Ouattara n'était pas de lui. Le président Alassane Ouattara était le contraire de l'image qu'il voulait imposer hein, sur sa personne. Voilà pourquoi nous avons fait l'effort hein, de venir sur les réseaux sociaux pour expliquer réellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi, quand son Excellence le président Alassane Ouattara a décidé de se séparer de Guillaume Soro en 2017, parce qu'il estimait que Guillaume Soro n'avait pas tout le bagage intellectuel pour pouvoir gérer une Assemblée nationale, a eu une primature d'abord en 2012 et une Assemblée nationale après, parce que d'accord avec moi que quand on veut gérer une Assemblée nationale,
Guillaume Soro, qui a fait près de combien d'années à l'Assemblée nationale, mais qui n'a jamais pu faire voter un projet de loi. Donc, le président Alassane Ouattara décide de s'en séparer en 2017. C'est là que Guillaume Soro va se rendre compte effectivement qu'il est l'heure pour lui d'aller dans l'opposition. Et en partant dans l'opposition, il a oublié qu'il a mangé avec le président Alassane Ouattara de 2011 jusqu'en 2017. Voilà pourquoi, quand je les ai eus hier au débat, je leur ai dit non, moi je ne discute pas avec les souris, parce que réellement, c'est des gens qui sont, qui ont faim. En réalité, ils ont faim. C'est parce que le président Alassane Ouattara a décidé de s'en séparer qu'aujourd'hui, il forme une opposition d'occasion. Pour ne pas dire une opposition occasionnelle. Sinon, en réalité, si Ouattara avait continué ou bien avait décidé de continuer avec Guillaume Soro, aujourd'hui, on n'aurait pas cette opposition au niveau de Guillaume Soro. D'accord avec moi que moi, Dosso, je préfère aujourd'hui discuter avec le FPI, parce qu'aujourd'hui, c'est le parti, c'est l'opposition, que de discuter avec le PDCI de Henri Konan Bédié. Parce que le FPI est toujours resté dans sa ligne de mire. Eux, c'est l'opposition, rien que l'opposition. Voilà que tout à l'heure, j'ai quitté mon travail, je suis venu. Là où j'ai garé ma voiture, c'est là que je l'avais garé, puis je suis monté pour aller chez moi. Et je reçois un coup de fil. Je reçois un coup de fil. Comme quoi, il y a le sieur sous le de Paris qui est en train de faire une vidéo avec ses acolytes pour dire que notre vaillant premier ministre, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, celui-là même qui a dirigé le gouvernement d'Alassane Ouattara, celui-là même grâce à qui tous les travaux qui sont faits aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau des écoles, au niveau des universités, même au niveau du social, que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à l'heure où je vous parle, je dis bien à l'heure où je vous parle, il est présentement 1h40, 41 minutes à Paris. 1h41 minutes à Paris. À l'heure où je vous parle, que le Premier ministre Amadou Gon serait dans un avion spécial parce qu'il a piqué une crise et il serait en direction du Maroc. Est-ce que vous entendez ce que j'ai dit là? Si vous entendez, mettez oui, parce que je ne vois pas le oui. Est-ce que ce que j'ai dit là, vous avez entendu? C'est-à-dire, les Soroïs là, ils sont dans une autre gamme, ils sont passés à une vitesse supérieure. Selon eux, alors que c'est la vitesse inférieure chez nous. Parce que nous, on est dans la vérité. Nous, le RHDP, nous sommes dans la vérité parce que nous suivons les traces de Félix Houphouët-Boigny. C'est-à-dire qu'Alassane Ouattara, là, suit la trace de Félix Houphouët-Boigny. Donc, je viens d'être réveillé par un de nos compatriotes qui aujourd'hui a l'information et a l'information avec le DG du FER, chargé des militants de la diaspora, en l'occurrence M. Djabil Assiné, qui vient de m'appeler. Dosso, il faut que tu te réveilles, quel que soit ton sommeil. Voilà ce que Soule de Paris est en train de raconter sur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, notre candidat. Voilà comment je vais rentrer en contact avec M. Touré Souleymane. Touré Souleymane, qui est le conseiller du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chargé des questions de jeunesse. Président de CARP, entendu par là, la cellule d'action et de réflexion politique, qui m'a donné toute l'information fiable, me disant, le Premier ministre va très bien, il n'a aucun souci de santé, il passe bien son mois de carême avec la future première dame. Alors, moi, dans mon rôle de cyber-militant RHDP, au niveau de Paris, sachant que Paris est la vitrine d'Abidjan, pour ne pas dire la vitrine de Côte d'Ivoire, c'était important pour moi de sortir pour vous donner ces informations. Parce que n'oubliez pas,
Nous sommes à la dernière ligne droite. C'est-à-dire, dans ce pays-là, ils ont tout tenté en Côte d'Ivoire. Ils ont tout essayé dans notre pays. Guillaume Soro a tout essayé pour déstabiliser le régime Alassane Ouattara. Soro Guillaume a tout essayé pour déstabiliser le pouvoir d'Alassane Ouattara. Vous vous souvenez de l'insurrection militaire au niveau de Bouaké. Donc Guillaume Soro n'a jamais baissé les bras. Mais en même temps, n'oubliez pas, juste après l'arrestation de Laurent Gbagbo, pendant le désarmement en Côte d'Ivoire, les Nations Unies ont dit que Guillaume Soro détenait par derrière lui 300 tonnes d'armes. Partagez la vidéo comme Bois Prado est en train de dire. Continuez de partager la vidéo. Information capitale, jour spécial. Les Nations Unies ont dit que Guillaume Soro avait par derrière lui, 300 tonnes d'armes. Dans ces 300 tonnes d'armes, on a pris 7 tonnes d'armes chez son acolyte, chez son cousin, chez son frère, chez son jumeau, Soultoussoul, à Bouaké. Donc, si on a pris 7 tonnes d'armes chez Soultoussoul, à Bouaké, alors que l'ONU avait déclaré 300 tonnes d'armes que Guillaume Soro cachait par derrière lui, logiquement, il va laisser 293 tonnes d'armes que Guillaume Soro cache encore derrière lui. Alors, convenez avec moi ou souffrez avec moi que Guillaume Soro, le parti de Guillaume Soro, qu'on appelle le GPS, ne peut pas faire de Guillaume Soro président de la République de Côte d'Ivoire à l'heure où je vous parle. Ce n'est pas possible. À l'heure où je vous parle, le GPS ne peut pas faire de Guillaume Soro président de la République ivoirienne. Tout simplement parce que son GPS ne pèse pas. Mais comme le GPS de Guillaume Soro ne pèse pas, Guillaume Soro automatiquement, comme dans ses habitudes, va se donner à la pratique des armes pour déstabiliser le pouvoir, le régime d'Alassane Ouattara à Abidjan. Voilà pourquoi Guillaume Soro va user de tout son pouvoir pour pouvoir ou bien de vouloir attenter à la sûreté de l'État. Sûreté de l'État qui devait, attentat qui devait commencer précisément le 27 décembre 2019 à 8h du matin, à 22h, et qui devait prendre fin le 1er janvier 2020 à 8h. Et qui devait se solder par la mort du président Alassane Ouattara, par la mort du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, par la mort du ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, par la mort du porte-parole du RHDP, Mamadou Touré, par la mort d'Adjoumani, par la mort de tous les cadres du RHDP. Et là, grâce à la maestria d'Ahmed Bakayoko, pour ne pas dire Ambak, grâce au service de renseignement secret en Côte d'Ivoire, ça a échoué. Ça a échoué. Maintenant, ils se sont inscrits dans une autre logique, qui est la désinformation. Parce que, comprenez, d'accord avec moi qu'ils ont beaucoup de codes dans leur arc. Hein. Dans leur arc, là, il y a beaucoup de codes. Il y a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, là. Ils ont beaucoup de codes dans leur arc. C'est-à-dire que quand eux, là, ils chantent, là, il y a beaucoup de codes. Il y a au moins 7 codes. Si la première code ne donne pas le son Do, la deuxième code va donner Do. Ainsi de suite. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, ainsi de suite, eux là, jusqu'à ce qu'ils trouvent le son là, ils ont beaucoup de codes dans leur arc. Vous comprenez? Donc, concernant la mutinerie, ils ont échoué en Côte d'Ivoire.
Maintenant, il passe maintenant par la désinformation à travers les réseaux sociaux. Et les personnes qui sont les maîtres de cette désinformation sont les suivantes. Vous avez Franklin Nyamsi. Après Franklin Nyamsi, vous avez Soule de Paris. Après Soule de Paris, vous avez Losani Kibafori. Après ce dernier, vous avez l'animal blindé. Voici les quatre personnes qui sont chargées de faire distiller la mauvaise information sur les réseaux sociaux afin que le peuple ivoirien puisse se soulever contre le régime, hein, le pouvoir d'Alassane Ouattara. Voilà. Parce que retenez très bien, information de taille, précision de taille. Parce que vous savez, avec Vincent Dosso, ce sont des précisions de taille. C'est-à-dire que quand Dosso sort là, Dosso quand il sort, il cite des noms, il cite des dates et il cite des lieux. Voilà ce qui fait ma particularité. Continuez de partager la vidéo. Deuxième grande information que j'ai à vous donner. Donnez-moi juste une minute, ne déconnectez pas. Continuez de partager. C'est important, continuez de partager la vidéo. Voilà, la deuxième information est la suivante. Quand ils ont décidé de faire leur coup d'État en Côte d'Ivoire, ils ont décidé de faire de Franklin Nyamsi. Écoutez très bien. Ils ont décidé de faire de Franklin Nyamsi leur ministre de la communication. C'est-à-dire que nous, on est assis, nous en tant qu'Ivoiriens, on est assis chez nous en Côte d'Ivoire. Un Franklin Nyamsi qui a, comment on appelle, qui a tous les problèmes chez lui au Cameroun, et c'est ce dernier-là qui va devenir nous notre ministre de la communication. Franklin Nyamsi. Et ils ont décidé de faire le Soule de Paris le président de la jeunesse ivoirienne. C'est-à-dire que c'est Soule de Paris, là, dans leur gouvernement, là, qui allait prendre la place de Blé Goudé Charles. C'est-à-dire que Calais s'est chargé de la propagande du régime de Guillaume Soro. Les gars, il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris ici. Paris, là, c'est la vitrine. Paris, c'est la vitrine. S'il pleut à Paris, là, Abidjan est mouillé. Voilà pourquoi nous, on est sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi chaque fois, je vous dis... Même quand nous, on est fâchés là, allez-y doucement avec nous. Parce que vous ne savez pas ce que nous, on subit ici, en termes de communication. Regardez, je dormais déjà. Je dormais. Lorsque j'ai reçu le coup de fil, je me suis habillé, je suis descendu. C'est-à-dire que si le coup d'État avait marché là, on faisait le Franklin Nyamsi, le ministre de la communication ivoirienne. Et puis qui allait parler?
Franklin Nyamsi, le Camerounais, là. C'est que Camerounais allait devenir notre ministre de la communication. C'est là que vous alliez avoir vos larmes que pour pleurer. Vos larmes, là, pour pleurer. C'est ce jour-là que vous alliez regretter réellement pourquoi vous avez suivi Guillaume Soro. C'est-à-dire que Guillaume Soro avait décidé de faire de Franklin Nyamsi un Camerounais. Notre ministre de la communication. C'est-à-dire que c'est Franklin Nyamsi qui allait être notre ministre de la communication. Pendant ce temps, il allait faire de Afoussata Bama Lamine le ministre de la justice. C'est-à-dire que c'est Afoussata Bama Lamine là qui serait notre ministre de la justice, nous, en tant qu'Ivoiriens. Vous comprenez maintenant? Nous sommes à la dernière ligne droite. Actuellement, on n'a pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que toute information est capitale. En plein mois de carême, en plein mois de jeûne, on m'a appelé, je suis descendu dans ma voiture, venu faire cette vidéo. C'est-à-dire que nous, les Ivoiriens, on est assis comme ça. On dit, on veut Soro Guillaume. Automatiquement, Soro Guillaume est président et puis nous impose un Camerounais, Franklin Nyamsi. Et vous allez dire quoi? Vous pensez que c'est pour rien que Franklin Nyamsi fait vidéo pour Soro Guillaume? Quand vous regardez Franklin Nyamsi, est-ce que c'est quelqu'un qui est tonton dans la tête? Est-ce qu'il est bête? Il n'est pas bête! Il n'est pas bête! Donc allons-y doucement. Comprenez de quoi il s'agit. C'est de la marmaille. Donc retenez que notre premier ministre Amadou Gon Coulibaly se porte bien. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire ici que la page, comment il s'appelle même, Meite Alassane. Il dit que la page officielle de la RTI vient de confirmer l'évacuation sanitaire du premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mais attends, est-ce que tu peux m'envoyer cette page-là? Ben, il ne sert à rien d'écrire ça, Meite Alassane. Il ne sert à rien d'écrire. Envoie-moi. Tu peux m'envoyer? Envoie-moi. Parce que moi, j'ai des sources d'informations. Et ceux qui me parlent là, c'est des gens qui sont dans le bureau du premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Donc voilà. Bonsoir à toi, va te demander. Tu dors pas. Voilà. Moi, je dormais. Et on a reçu cette information. Voilà, pour dire que le premier ministre Amadou Gon actuellement est en train d'être évacué vers le Maroc. D'après les soroïs, ils ont dit son cœur est tombé. C'est-à-dire que pour eux, là, il n'a pas de cœur, c'est pile, il a la place de son cœur. Tellement ils sont forts. Voilà. Donc, voilà un peu. Sur ce, c'est l'information que j'avais à partager avec vous. Je vous remercie. Il n'en est rien. Le Premier ministre va très bien. Il n'a pas de problème de santé. Il va très bien. Voilà. Il va très bien. Il n'a pas de problème de santé. Voilà. Donc, j'attends. Moi, je sais que, selon les informations que j'ai eues, mon Premier ministre va très bien. Amadou Gon va très bien. Voilà. Amadou Gon va très bien. Contrairement à ce que les gens sont en train d'écrire. Bon, vous savez, c'est Facebook. Hein? Les gens peuvent venir sur plusieurs sur plusieurs noms. Il y a un qui s'appelle Meite Alassane. Bon, on attend de voir. Il dit qu'il va m'envoyer les preuves. J'attends de voir ses preuves. Voilà. Puisque je sais que lui, il ne travaille pas à la primature. Alors que moi, je cause avec des gens qui travaillent la chose à la primature. Donc, moi, je ne prends pas lui ces preuves-là comme de l'agent comptant. Hein? J'attends qu'il m'amène ses preuves. Donc, oui, effectivement. Oui, Adjoumassi. Tous ceux-là. Comment toi, tu peux comprendre que Peter qui a insulté à la salle. Pardon. Guillaume Soro hier, puisse se raviser comme ça. Parce qu'il y avait un coup d'état en l'air. Tous ceux-là étaient promus à des postes.
Mais ils ont négligé Ahmed Bakayoko. Mais là, on ne va pas rentrer dans ça ce soir. Voilà, c'est l'information que j'avais à vous donner. Retenez que le Premier ministre va très bien. Il n'a pas de soucis de santé. Il va très bien. Voilà. Il est en train de faire son jeûne tranquillement avec sa famille. Voilà, avec sa femme et puis ses enfants. Il n'a pas de problème. Il va très bien. Voilà. Ok. Allez, merci à toi, Vaté Diomandé, Traoré Karim. Voilà. Zenab Kazar, Kassab, merci beaucoup. Merci à tout le monde. C'est l'information que j'avais à vous donner. Allez, passez une bonne soirée, une bonne nuit. Parce que moi, je suis fatigué. Voilà. Bientôt, on va manger le souli, comme on dit. Et puis bon. Allez, merci. Ciao.